Vous savez ce qu'on pourrait vendre? Des os de dinosaures! Ça ferait un bon souvenir, hein. Comme ça on pourrait rentabiliser les dinosaures morts! Tout le monde devrait pouvoir repartir avec son os de dinosaure fraîchement arraché de son cadavre! Ah, j'adore les dinosaures! Et j'adore l'argent! Le parc continue à évoluer tranquillement. Plus on a de nouveaux arrivants, plus on doit construire de nouveaux restaurants. Et du côté backstage, nos archéologues continuent également de rapporter l'ADN de dinosaures ainsi que divers matériaux précieux. Mais bon, vous savez bien ce que les gens veulent, hein, quand ils viennent dans un parc d'attractions, hein, ce que viennent chercher les familles et les enfants. Une ambiance sympathique pour créer des souvenirs? Eh oui, c'est ça! Du sang! De quel genre de famille ils parlent en fait? Il était donc temps de faire venir le premier grand carnivore du parc, en installant une mangeoire près de la barrière. Les grands carnivores ne veulent pas qu'on les nourrisse, ils veulent chasser. Et quoi de mieux pour chasser qu'une chèvre attachée à une corde? Bien sûr. C'est aussi trépidant pour le carnivore que d'aller acheter une entrecôte à Carrefour. Mais la principale nouvelle construction, c'est clairement notre nouvelle volière. Une immense construction sphérique de presque 100 mètres de haut. Nos pteranodons auront exactement les mêmes conditions de vie qu'ils avaient il y a 65 millions d'années. Enfin, dans une cage. Et sans avoir besoin de chasser, d'ailleurs. Ou de voler aussi. Et avec des milliers de gens qui les regardent, et qui hurlent à côté d'eux, en les illuminant avec des flashs. Mais bon, c'est un détail. Belle bête, n'est-ce pas? Pteranodon est un reptile volant, et non pas un dinosaure volant. En réalité, Pteranodon, comme son lointain ancêtre ptérodactyle, qui lui vivait des millions d'années avant et était 6 fois plus petit, sont issus de la famille des ptérosaures. Et je sais, oui, il y a « zor » dans le nom, mais ce ne sont pas des dinosaures, non. En réalité, les seuls dinosaures volants qui existent, on les connaît bien, ce sont les oiseaux. Ça vous la coupe, hein? Pteranodon vivait près des côtes et se nourrissait de tout ce qui était assez petit pour passer dans son bec. Bec sans dents, d'ailleurs. C'est même ce que son nom veut dire. Ptera, elle, nodon, pas de dents. Elle, sans dents. Cela dit, malgré ses 6 mètres d'envergure, soit la taille d'un petit avion, Pteranodon n'était pas bien lourd, probablement moins de 100 kg. Et tout ça grâce à ses os creux qui étaient bien pratiques pour voler. Alors pas d'inquiétude, même s'ils sortaient de leur cage, aucun risque qu'ils se mettent à... je sais pas moi... soulever des gens dans le parc. Il est vraiment pas assez costaud pour ça. Évidemment, on en profite également pour rajouter d'autres restaurants à côté, hein, et aussi pour rajouter quelques éléments de décor, comme de la roche, du sable, vous savez, ce genre de choses. Il faut que les visiteurs aient le sentiment de vivre une aventure pendant qu'ils mangent leur hamburger. Mais surtout, il faut qu'ils aient le ventre plein pour quand ils iront voir nos nouveaux carnivores. Les premiers carnivores réintroduits depuis la fermeture du parc seront deux Ceratosaurus, des carnivores de moyenne taille. Évidemment, la vedette du parc, le Tyrannosaure Rex. Mais c'est un de nos autres carnivores qui nous a posé des problèmes. C'est la catastrophe. L'enclos de Vélociraptor est ouvert et les bunkers d'urgence ont été désactivés. L'enclos des Raptors. Bon, alors, il apparaît que peut-être, oui effectivement, c'était une mauvaise idée de faire traverser les visiteurs au milieu de nos carnivores les plus dangereux. Mais on pouvait pas le prévoir, hein. Ah si, absolument tout le monde lui a dit. Je crois que même sa mère lui a dit d'ailleurs. D'autant plus que bon, pour des raisons budgétaires, nous n'avons qu'un seul abri de secours pour les gens. Ça coûte cher à entretenir, hein, ces trucs, vous savez. Visiblement, quelqu'un a modifié l'ADN des raptors pour les rendre immunisés aux tranquillisants. Me demandez pas comment ils ont fait ça. Puis de toute manière, je m'en fous. Ah, heureusement, le professeur Sattler est arrivé avec une idée brillante. Le tyrannosaure, il faut le relâcher. Pardon? Il nous a sauvés par le passé. Il voudra tout de suite s'imposer. Ce qui signifie qu'il s'en prendra au Vélociraptor. Relâcher le Tyrannosaure dans l'enclos des Raptors en espérant qu'il se fasse bouffer. Ah, c'est un super coup de pub, ça! Prévenez le service marketing! Le problème, c'est que les Raptors viennent de briser la clôture qui les sépare de la zone centrale. Bref, donc maintenant, il faut relâcher le Tyrannosaure au milieu des visiteurs pour qu'il aille bouffer les Raptors? C'est un super coup de pub, c'est encore mieux! Prévenez le service marketing! Et le service juridique aussi! On va avoir besoin de nos avocats! Et ça commence à urger, hein, parce que les raptors sont en plein milieu des visiteurs en train de les éventrer. Ils ont dépecé sans compter. Dépecé sans compter. Ouais, quand je suis nerveux, je fais des blagues, désolé. On se dépêche donc de relâcher Rex en liberté. Et le voilà qui fonce en direction des trois Vélociraptors. Et nos 5000 visiteurs. Statistiquement, les chances qu'ils tuent les bonnes cibles sont donc de 3 sur 5000. Et c'est déjà plus qu'au loto, hein. Y a bien des millions de gens qui jouent chaque semaine, alors ça va. Les raptors se promènent dans la partie est du parc pour l'instant. Ça tombe bien, les gens ils disent toujours que c'est la partie du parc la plus chiante. On est parti avec Bob pour filmer le combat pour le mettre sur YouTube. Mais si avec ça on n'est pas dans les tendances YouTube. Voilà que
La baston commence, le public est venu nombreux pour assister à ce super combat. Les T-Rex se foncent en direction du Raptor, juste à côté de la centrale électrique. Et voilà que les deux se font face à face. Le T-Rex essaie d'attraper Vélociraptor, mais ce dernier skip et saute sur le dos du Rex. Il s'accroche, Raptor a l'avantage, mais il trébuche. Oh là là, Rex l'attrape et voilà que le premier Raptor finit dans sa gueule. Ce qui nous fait pour l'instant un score de 1-0 dans ce match exceptionnel. Oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la cloche. Assez payé pour ces conneries. Et voilà la vedette de Jurassic Park, le Tyrannosaurus Rex, ou roi des lézards tyrans. S'il est le plus célèbre, ce n'est pas que grâce au cinéma, c'est aussi parce qu'on le connaît très bien, et depuis longtemps. On a trouvé près d'une cinquantaine de ses fossiles, dont certains en excellent état depuis sa découverte en 1905. T-Rex a vécu à la toute fin du Crétacé, il était le super prédateur du continent nord-américain à son époque. 13 mètres de long pour 5,50 mètres de haut, il fait partie des plus grands carnivores que la Terre ait porté. A la fois chasseur et charognard, le tyrannosaure était taillé pour le combat, avec une mâchoire puissante en forme de U, unique pour son espèce, des dents rondes de 30 cm qui lui permettaient de mieux broyer ses proies, et une gueule de 1,50 mètres de long. Waouh ! J'aurais pas aimé le croiser la nuit, dis donc ! Malheureusement, T-Rex n'a pas eu beaucoup de chance d'être né à la fin du Crétacé. Ha ! C'est bien beau d'être une machine de guerre créée par l'évolution, mais quand le destin décide de t'éliminer, c'est la fin de la partie. Il faudra toute la journée pour que le T-Rex parvienne à chasser les trois vélociraptors qui s'étaient enfuis du parc. Et quelques heures également pour convaincre les visiteurs qu'il n'y a plus aucun danger. Je vous jure, c'était une animation prévue dans le cadre des activités quotidiennes du parc. Il n'y a aucun danger. Non, madame, c'est du faux sang qui sort du bras de votre fils. Faudra juste prendre la nuit pour enlever les cadavres de dinosaures qui traînent un peu partout dans le parc, après que les raptors soient passés dans les enclos des herbivores. Mais maintenant, c'est fait! Tous les dinosaures ont réintégré leur cage. Sauf les raptors. Oui, bon, on n'a pas remis les raptors en cage, c'est vrai. Mais bon, vous comprenez, hein, notre enclos des raptors, c'est une cage en briques, ça aurait aucun intérêt pour les visiteurs. Et puis c'est une opportunité unique de les voir de près. Regardez-les, oh, ils sont pas dangereux, ils sont juste joueurs, c'est tout! Ils aiment bien jouer avec leur nourriture, enfin, avec les voitures, je veux dire. Ah oui, petit coquin. En fait, vous savez quoi? Voyez ça comme des montagnes russes, hein? C'est des sensations fortes. Ben là, c'est pareil. Le frisson de la mort que vous avez quand vous allez au parc Astérix. Ouais. Bon, bref. D'ailleurs, question sensations fortes, mon service marketing m'a recommandé de modifier le génome des dinosaures afin de les rendre plus agressifs, avec plus de dents, etc. modifier le génome, mais qu'est-ce qu'ils sont cons? On dirait le scénario d'un film de merde. Des dinosaures invisibles aussi, tant qu'on y est, non? Et vous savez quoi? Avant qu'on finisse cette interview, une petite visite du parc, ça vous dit? Allez, venez. Allez, c'est parti pour la visite. Ah, j'adore toujours faire ça. Ça va, tout le monde est bien installé? Vous avez fait pipi? Vous avez acheté vos paniers repas? Vous avez pris mon sandwich à la rosette que je vous avais demandé?